Coucou. Alors, premièrement, je sais que ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, mais attends, on va faire. Comme ça, ça fait moins mal aux yeux, celle-là. Je sais que ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu et je viens réellement de me lever. J'ai pas attendu 10 minutes. Tout d'abord, nous allons commencer. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire une routine. Une journée routine. Aller aux toilettes. À tout de suite. Alors, je tiens à vous dire, excusez-moi pour mes cheveux parce qu'ils sont extrêmement moches. Ne vous inquiétez pas, je vais les laver de toute façon aujourd'hui. Et comme toujours, il faut que je les lave. J'ai des nœuds partout. Alors, je vous explique ce qui se passe. Actuellement, je ne sais pas quelle heure il est. Je n'ai pas regardé l'heure parce qu'il y a une mise à jour sur mon téléphone. Du coup, j'ai pas pu voir l'heure. Donc on va aller en bas pour aller voir l'heure. Déjà regarder ma grosse tête, comment on est bien. J'ai un appareil, je sais pas si je vous l'ai dit. Je sais pas. Un bouton là. En ce moment je prends plus trop soin de moi. Je suis pas flemme. je travaille quoi. J'ai des boutons un peu, mais ça va, c'est pas trop fou. Du coup je vous explique ce que je fais le matin. Déjà, je me lève à 9h. J'ai dû rester encore un peu dans mon lit avant d'avoir la force d'allumer pour voir mon téléphone pour faire coucou. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, on va commencer par se laver le visage, je pense. Mais je suis vraiment blanche comme un cul. Alors là, j'ai pas l'impression que vous voyez bien, mais j'ai des cernes. Oh, alors, petit coton. Et on va mettre ça parce que ça, je vous explique, c'est un doux démaquillant, mais je l'utilise pas que pour me démaquiller, mais pour me rafraîchir. Il est, c'est une biphase, du coup, bah, il y avait tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait deux produits. Non, mais en ce moment, pour de vrai, je touche plus du tout à mon visage, mais vraiment, quand je me lève, j'attends dans mon lit que 10 heures, que le temps d'aller au travail se manifeste et j'y vais, c'est-à-dire je vais en haut en fait, parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais maintenant je fais CNED. Là on est en vacances scolaires, mais je continue parce que bah moi je dois rattraper toutes les merdes que j'ai fait. Voilà. Après, de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, parce que j'ai mes potes qui sont tombés allergiques à ça, du coup, je sais pas trop quoi faire. J'ai du feu en ce moment, mais c'est pas ouf, du coup, bah, vas-y, un petit peu, des fois, voilà. Du coup, qu'est-ce que je fais maintenant? Venez, faut savoir que le matin je mange pas. Si vous voulez savoir, je ne mange pas le matin. On va aller voir l'heure. Quelle heure est-il? Il est 27. Ok. Bah, je retourne dans ma chambre. Et je vous explique. Le matin, en fait, c'est très facile. Normalement, je me lève si j'ai le courage. Je me lève, je vais me brosser les dents minimum et je fais ma toilette. Du coup, voilà. Si vraiment j'ai pas le flemme. C'est-à-dire que le plus souvent je le fais. Voilà. Et après, je retourne dans ma chambre et j'attends qu'il soit jusqu'à 11h. Et on se retrouve du coup à 11h. Parce que là, je vais que faire de regarder des vidéos sur YouTube, écouter de la musique, des trucs comme ça. Voilà. Thank you.
ce soir, on va chez... en fait, je vous explique tout comme il faut. Mes frères sont partis. En gros, mon plus grand frère, il s'appelle Pierre-Alexandre. Lui, il a 20 ans, il a eu 20 ans le 11 avril. Et il s'est cassé entre-temps chez sa copine, mais ça, c'est pas un moment. Du coup, il restait moi, ma mère, mon frère et mon père. Sauf que mon frère et mon père sont partis parce que... ils sont partis pour Dijon parce que c'est pour le futur de mon frère, parce que mon frère veut devenir pro rugby. Voilà, pour rugbyman. Du coup, comme ma mère m'a dit, viens, on dit rien aux garçons et tout, on va au resto toutes les deux. Du coup, je me suis préparée, je suis allée me laver tout à l'heure. J'ai terminé de me laver et voilà my style. C'est une jupe, hein, si vous voulez savoir. Une jupe short que j'ai tout. Vient de chez Pinky. Et je vais mettre sur moi ma veste qui est là-bas. Je vais mettre ma petite veste comme ça. C'est très joli. Et pour mes pieds, j'ai mis des grandes chaussettes parce que je vais mettre une. Voici mes grandes bottes. Donc elles montent jusqu'à à peu près. Ouais, genre il y a mon genou en haut, juste en haut. Donc elles sont vachement. Et en plus, grosse semelle, et j'adore les semelles. Les grosses semelles, c'est mon truc. Petite fermeture ici. Ça sert pas de ouf. Ça, c'est juste un petit problème. Mais par contre, après, t'es hyper grande. Donc ça, c'est cool. Attendez, je vais les mettre pour que vous voyez le look final. Voilà, ça c'est bon. Donc attendez, où est-ce que je peux vous poser? Je vais vous poser là. Il y a juste un petit blème. Yeah! J'adore là, mon chien qui est là. Voilà. Ah, il y a beaucoup de soleil ici. Du coup, voilà. Il y a mon chat qui fait dodo juste à côté, regardez. Bonjour mon loulou. Je sais pas si vous avez bien fait.